Ah ben Lydia, tu es là! Je te cherchais partout! Mais qu'est-ce que tu fais? T'écris encore dans ton journal intime? Moi, non! Non, j'ai pas de journal intime, mais qu'est-ce que tu racontes? À mon âge? À mon grand âge? N'importe quoi! Oh là là, c'est bon Lydia, tu me la fais pas, moi! Je sais très bien que t'as un journal intime, et puis y a pas de honte à ça! Tu as bien le droit, c'est très bien d'écrire et de mettre sur papier tous tes sentiments et tes émotions! D'ailleurs, je me demande bien, en parlant de sentiments, qu'est-ce qu'on fait ici? On est sur le terrain de football? Tu fais quoi? Je te vois souvent ici en ce moment. C'est juste qu'en fait ici, c'est super calme, regarde. Y'a personne, tous les élèves sont dans la cour ou sont dans la bibliothèque, ça parle fort et moi j'aime bien être calme et puis l'air frais et puis en plus il fait beau, regarde quel beau soleil on a aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas par hasard plutôt pour croiser un certain Ludovic qui fait partie de l'équipe de football du lycée? Ludovic, c'est qui déjà? Comment ça, tu sais pas de qui je parle? Fais pas semblant! On sait tous très bien que t'en penses pour Ludovic. D'ailleurs, en parlant de Ludovic, ce serait pas lui qui vient de passer là pour faire son entraînement de... Oh Lydia, j'ai capté, tu viens ici pour mater Ludovic en train de faire son entraînement pour le foot? Quoi? Mais pas du tout, c'est un hasard, je savais pas moi qui s'entraînait à cette heure-ci. D'ailleurs, faut que j'y aille. Ok Lydia, à demain! Après, en vrai, il est plutôt pas mal ce Ludovic, tiens. Si j'avais pas déjà un copain, c'est vrai que je m'y intéresserais bien à celui-là. Alors chérie, comment s'est passée ta journée à l'école? Ça va, c'était cool. D'accord, n'oublie pas de faire tes devoirs en priorité, d'accord ma chérie? Maman, ça va, j'ai plus 10 ans. Je sais que je dois faire mes devoirs. J'y vais. Ah là là, les adolescentes. Toute une histoire. Je sais pas trop si ça m'irait de faire partie de l'équipe de Pom Pom Girl. Mais c'est vrai que l'uniforme me va plutôt bien. Maintenant, franchement, c'est pas du tout mon délire, mais si ça me permet de me rapprocher de Ludovic, eh ben ce serait pas mal, peut-être qu'au moins là, il me verrait. Il saurait que j'existe parce que là, j'ai l'impression que il sait même pas qui je suis, pourtant on est dans la même classe. J'ai tellement de choses à écrire dans mon journal intime. Mais je vais d'abord aller manger, j'ai faim. Je vais peut-être pas descendre comme ça. Si ma mère elle me voit habillée en pom-pom girl, elle va se demander si je suis pas malade. Et voilà. Maman, t'as fait à manger, j'ai faim. Où est donc passé mon journal intime? Je pensais l'avoir laissé ici. La dernière fois que j'ai écrit, c'était bien là. Est-ce que je l'ai mis derrière mes coussins? Non, mais... Où est-ce que je l'ai mis? Je suis sûre que c'est ma mère qui a rangé ma chambre et qui me l'a mis n'importe où. Maman! Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mais pourquoi tu hurles comme ça? Tu vas réveiller ton père, il est parti dormir déjà. Maman, où est-ce que t'as mis mon journal? J'ai cherché partout dans ma chambre, je n'arrive pas à le trouver et je t'ai déjà dit de ne pas le toucher et surtout de ne pas le lire. Mais chaton, tu sais très bien que je ne touche jamais à ton journal et que si j'y touche, je te préviens avant. Mais toutes les fois que tu m'as engueulée, j'ai compris, je ne touche plus à ton journal. Et puis en plus, aujourd'hui, j'ai même pas rangé ta chambre. Il s'agirait maintenant, ma fille, de savoir ranger sa chambre toute seule comme une grande. Tu es une adolescente, tu es au lycée, tu devrais savoir le faire toute seule. D'ailleurs, en parlant de ça, tes draps... Faudrait peut-être les changer, ça fait 2 mois que tu n'as pas changé tes draps et moi je ne le ferai pas à ta place. Quoi? Et c'est pour ça que mon lit il sent pas bon, c'est parce que j'ai pas changé les draps? Maman! Mais tu peux changer mes draps, s'il te plaît! Mais... Ça veut dire qu'elle n'a pas touché à mon journal intime?
Oh mon dieu, ça veut dire que mon journal est perdu quelque part et que n'importe qui peut le lire? Et si je l'avais laissé sur le banc de l'arrêt de bus? Est-ce que j'ai écrit sur le banc de l'arrêt de bus? Ça se fait, c'est quelqu'un de l'école, puisque le bus, c'est que les gens de l'école qui le prennent. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je retrouve mon livre, je sais pas où est-ce qu'il est. Mon dieu, je vais appeler ma copine. Peut-être qu'elle a le sait. Charlotte, merci de m'avoir répondu sur Discord, mais il faut que je te pose une question vraiment très très importante. Il se passe quoi, Lydia? Tu m'inquiètes? Normalement, à cette heure-ci, tu n'es pas connectée. Oui, je sais, mais j'ai perdu mon journal intime, je sais pas où il est. Pourtant, il me semblait que tout à l'heure, tu m'as dit que ce n'était pas de ton âge et que tu n'avais pas de journal intime. Ah, c'est bon, Charlotte, arrête de me charrier là-dessus. D'accord, j'ai menti, j'ai bien un journal intime, tu le sais, je le sais, on le sait toutes les deux. Mais le problème là maintenant, c'est que je l'ai perdu, je sais pas où il est. Franchement, je n'en ai aucune idée, mais je peux essayer de t'aider à t'en souvenir. C'était quand la dernière fois que tu avais écrit dans ton journal intime? Le problème, c'est qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de le prendre partout avec moi et que dès que j'ai un petit peu de temps, bah ça peut m'arriver de le sortir et d'écrire, donc littéralement n'importe où. Si tu veux, moi j'ai une super technique et j'ai tout le temps l'habitude de perdre tout le temps mes affaires, mon téléphone, mes clés, tout. Je perds littéralement toutes mes affaires et ma mère, elle m'a appris à me concentrer. Et en fait, elle me dit « Refais-toi la journée dans ta tête ». Et à chaque fois, ça me permet de savoir où j'ai laissé mes affaires. Par exemple, la dernière fois que j'avais perdu mes clés, eh ben, elle m'a dit « Eh bien, tu refais ta journée ». Et j'ai pensé, je me suis dit que je me suis levée le matin, j'avais pris les clés, sauf qu'avant de partir, j'avais oublié de me brosser les dents. Donc, je suis allée dans la salle de bain me brosser les dents et je suis partie. Et après, je me suis dit « Ah ben, j'ai été dans ma salle de bain ». Je suis allée dans ma salle de bain et tu sais quoi? Eh ben, j'ai retrouvé mes clés et elles étaient avec mon dentifrice. Ok, je me concentre. Alors, aujourd'hui, j'ai été en cours. En cours, j'écris jamais, donc ça peut pas être à ce moment-là que je l'ai perdu. Et ensuite, après les cours, j'ai voulu aller prendre l'air. Et c'est à ce moment-là que tu m'as rejoint. Et à ce moment-là, je me rappelle justement, tu étais en train d'écrire dans ton journal intime. C'est vrai, t'as raison. J'ai écrit et en fait, t'es venue, ça m'a perturbée. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Tu t'es enfui comme une petite fille qui venait faire une bêtise. Voilà ce que tu as fait, tu es partie et je pense que t'as dû rentrer chez toi. Donc ça veut dire... Soit ton livre il est chez toi, enfin ton livre, ton journal, soit tu l'as perdu ou laissé sur le terrain de football. Et comme je sais déjà qu'il n'est pas chez moi parce que j'ai fouillé tous les moindres recoins de ma maison, ça veut dire que... Ça veut dire que... Oh mon dieu, ça veut dire que je l'ai laissé sur le terrain de foot. Il faut que j'aille le récupérer. Sois rationnel, ne t'inquiète pas. Tu sais Lydia, de toute manière tu ne pourras déjà d'une pas aller à l'école parce que je ne pense pas que tes parents l'autoriseraient à cette heure-ci. De deux, le grillage est fermé, donc dans tous les cas, même si tu y allais, tu ne pourrais pas y entrer. Et puis en plus, hier soir, bah, il n'y avait pas de match, il n'y avait rien. Donc ça veut dire que personne n'est allé sur le terrain à part toi. À part moi et Ludovic qui allait à son entraînement, qui a fait un entraînement tout seul sur le terrain. Et imagine, il est tombé sur mon journal. Ah ben oui, c'est possible qu'il soit tombé sur ton journal. Mais bon, même si vraiment, ne t'inquiète pas, respire. Je t'entends respirer là dans mon casque. Mais écoute, tu sais quoi? Ne stresse pas. Ludovic... je pense pas que ce soit son délire de lire des paragraphes entiers, ce genre de choses. Il a dû trouver le livre, si vraiment il l'a trouvé, il a dû le déposer au secrétariat. Et voilà, ou bien il est toujours par terre et il est en train de se faire bouffer par des chenilles. Mais qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, je te remercie de m'avoir aidé. Je vais essayer de dormir comme ça, la nuit va passer plus vite. Et comme ça, demain matin, je pourrai plus facilement... aller récupérer mon journal. Merci beaucoup et bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit. Si Ludovic est tombé dessus, ça va être une journée terrible pour moi. Et si je ne retrouve pas le journal là où j'ai écrit hier, ça voudra dire que je devrais aller au secrétariat. Et si le secrétariat me dit qu'ils n'ont pas retrouvé le journal, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille parler à Ludovic, mais je vais jamais parler. Oh mon dieu, je vais aller dormir. Je vais concrètement aller dormir. Oh mon dieu, il est là. Mais d'abord, je vais aller vérifier dans la cour à l'arrière s'il y a mon journal, parce que ça c'est, je vais aller lui parler et en fait, il va rien comprendre et puis ça va être trop bizarre.
Lydia, attends. Oui. Ludovic, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Déjà, comment tu connais mon prénom? Je pourrais te retourner la même question, mais je te répondrai parce qu'on est peut-être dans la même classe. C'est normal que je connaisse ton prénom. Oui, c'est normal. Pourquoi je pose des questions bizarres comme ça, moi aussi? Désolée, oui, je t'écoute. Hier, je suis allée m'entraîner sur le terrain de foot et je crois que j'ai trouvé un truc qui t'appartient. Est-ce que tu parlerais d'un bouquin, c'est ça? Un livre? Un cahier? Un cahier d'exercice de maths? C'est bien un objet de type bouquin, mais ce n'était pas vraiment un cahier d'exercice de maths. Peu importe, j'ai laissé traîner un bouquin, oui, effectivement. Est-ce que je peux le récupérer, s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Merci beaucoup, Ludovic. Comment tu sais que c'est pas un cahier d'exercice de maths? Lorsque je l'ai trouvé par terre, il fallait bien que je vérifie à qui appartenait ce cahier. Je me suis dit que j'allais certainement savoir à qui il appartient en l'ouvrant, tout simplement. Et est-ce que tu as lu le contenu de ce journal? Ah, donc c'était bien ce que je pensais, un journal intime. Alors je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc j'ai effectivement lu quelques lignes avant de m'en rendre compte et ensuite je l'ai refermé par respect pour toi. D'accord, et c'était quelle ligne? Par hasard, quelle page, quelle ligne que tu as lu? Écoute Lydia, j'aimerais ne pas rendre ce moment gênant, surtout que je t'apprécie vraiment bien. J'aimerais, si ça t'intéresse, qu'on se voit peut-être après les cours, pour en discuter, peut-être pour, je sais pas, manger une glace ensemble. Tu es en train de me proposer un rencard? Oui, si on peut appeler ça comme ça. Tu sais, Lydia, je t'apprécie depuis un certain moment déjà et je n'ai jamais osé t'approcher parce que je me suis dit que un garçon comme moi ne t'intéresserait pas. Je suis que bon au foot alors que toi, t'es une tête à tout. Tu as vraiment des bonnes notes partout et en plus de ça, tu es apprécié. Et moi, je suis juste un garçon qui fait du foot. C'est tout ce que je sais faire. Tu rigoles ou quoi? T'es super impressionnant, c'est vraiment un talent que tu as. Merci, mais en fait, là, t'as pas répondu à ma question. Est-ce que genre t'essayes d'esquiver en me disant « Écoute, merci beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas, tu as un talent comme ça pour esquiver ou... » Non, tu te trompes, Ludovic, ça m'intéresse vraiment. Oh mon dieu, Est-ce que... À plus tard. Oh mon dieu, un rencard. Ah, je sais pas où je vais.